Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, me revoilà pour une superbe recette des Marcouda au thon. Et oui, on sent le Ramadan qui approche, et les délicieuses recettes à venir. Vous avez déjà des recettes de Marcouda sur ma chaîne, mais celle au thon, je ne vous l'avais jamais fait. Alors pour commencer, il va vous falloir des pommes de terre, une boîte de thon, du sel, du poivre et moi j'aime bien mettre aussi du paprika pour la couleur. Et un petit peu de farine pour paner et je rajoute également dans les pommes de terre du persil. Allez, on commence par éplucher nos pommes de terre. Ensuite, on va les couper grossièrement. Ensuite, on va les faire cuire à la vapeur. Donc moi, j'utilise le Cookeo, mais comme d'habitude, vous utilisez ce que vous souhaitez. Soit un cuve-vapeur ou soit une casserole. Donc là, moi, au Cookeo, je mets 12 minutes cuisson sous pression. Alors, une fois cuite, on va venir assaisonner. On met le sel, le poivre, le paprika on ajoute pas mal de persil, vous pouvez utiliser du persil frais bien évidemment. On mélange bien à l'aide d'une fourchette. Ensuite, on va tout réduire en purée. Et à ce moment-là, on va venir ajouter le thon. On écrase bien également et on mélange tout. On ajoute un œuf. On mélange, on mélange. On va mettre de la farine dans une assiette. Et allez, c'est parti, on forme notre petite galette de pommes de terre. On fait des petites boules et ensuite on les reforme en petits cercles. On les trempe dans la farine et on les met de côté pour ensuite pouvoir les cuire.
Alors ensuite, on prend une poêle, on va venir mettre de l'huile dans le fond. Moi, j'en mets pas trop d'huile et on dépose nos petites makruta. On les laisse cuire un petit peu de chaque côté. On n'hésite pas à rajouter un tout petit peu d'huile de temps en temps quand ça boit beaucoup. On les retourne et on attend que ça cuit. On les dépose ensuite sur un papier essuie-tout pour enlever le surplus d'huile. Et ensuite, on peut disposer dans notre assiette. Voilà le résultat de belles galettes de pommes de terre au thon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!